refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod et de l'iPhone. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat avec nos invités. Cette semaine, on prend un peu de recul alors qu'on attend l'arrivée de l'ardoise magique d'Apple, l'Icelet. On va parler un petit peu de la genèse de l'iPhone. Tout de suite, plus de détails en images avec le sommaire. On refait le Mac! Alors que les geeks du monde entier, que dis-je, la planète, a les yeux rivés sur Steve Jobs, qui va présenter le 27 janvier sa fameuse ardoise tactile, on refait le Mac, prend du recul et s'intéresse à la genèse de l'iPhone. L'hebdomadaire L'Express vient en effet de publier un article sur Jean-Marie Hulot, un Français cocorico qui serait l'un des artisans, pour ne pas dire le père de l'iPhone. Alors y a-t-il eu une équipe d'Apple basée dans le plus grand secret en France pour concevoir l'iPhone? C'est le sujet de cet On refait le Mac. On refait le Mac! Donc la genèse de l'iPhone, c'est le sujet du jour. Bien sûr, je tenais à vous dire que j'avais contacté Jean-Marie Hulot, mais il n'a pas souhaité très gentiment ne pas venir. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, c'est tout à son honneur, il veut pas se mettre en avant. C'est plutôt rare chez Apple des gens qui se mettent pas en avant, surtout par les temps qui courent. Mais donc c'est tout à son honneur et j'espère qu'on aura l'occasion de l'avoir parmi nous, messieurs. En attendant, je me tourne vers Emmanuel, qui est l'auteur de ce papier, mais avant je les présente quand même. Donc Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express, nouvellement. Bonjour Emmanuel et félicitations pour votre papier. Merci, c'est très gentil. C'est donc Emmanuel qui a écrit ce papier sur Jean-Marie Hulot, le père supposé de l'iPhone. Cédric Ingrand de la chaîne LCI. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Et puis également qu'on trouve sur LCI Radio avec la French Connection. Évidemment. Où il n'y a que des Corses, d'où son nom. Non, rien à voir. Comment ça? Il n'y a pas que des Corses. Hein. Il y a des Basques aussi. Des Basques aussi. Voilà. Oui. Et Monsieur X, qui est un ancien responsable d'Apple, qui avance comme chaque semaine à visage masqué, qui nous aide un petit peu à décrypter les secrets d'Apple, si secrets il y a, bien entendu. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier. Alors moi je suis nulle part, ou plutôt devant mon nouveau MacBook Air sous Snow Leopard, et je suis bien content. On vous a pas dit qu'il va changer dans 15 jours? Mais ça, c'est toujours un peu le drame avec Apple. Si on attend la prochaine sortie, on ne peut être que déçu. Bon, on va voir la semaine prochaine avec l'arrivée de l'i7, mais bon, c'est un autre débat. Emmanuel, donc, tu es l'auteur, en se tutant dans la vie, donc on va continuer, de ce papier, de cette enquête sur Jean-Marie Hulot. Est-ce que tu peux nous présenter qui est ce mystérieux monsieur Hulot? Bah, c'est assez simple, c'était un chercheur de l'ENRIA qui est parti aux États-Unis pour présenter un système de développement d'interface graphique qu'il avait développé en France. Il a été remarqué à l'époque par des gens de Next. Et il a fait la rencontre de Steve Jobs à Cupertino. Donc ça, c'était au milieu des années 80. Next, Monsieur X, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots, pour que je ne fasse pas mon maître d'école, allez-y. C'est l'entreprise qu'avait créée, fondée Steve Jobs quand il était parti, ou plutôt quand il avait été viré de chez Apple. Et il avait dit « je me vengerai, je reviendrai ». Et il est parti fonder Next, qui... on faisait des ordinateurs, mais qui restait célèbre pour son système d'exploitation qui s'appelle NextOS, qui a été racheté plus tard quand Steve Jobs est revenu. Et Next est devenu macOS 10. Et donc, si j'ai bien compris, Emmanuel, donc, c'était l'un des concepteurs de Next, c'est bien ça, Jean-Marie Hulot? Alors en fait, oui, il a développé un système qui s'appelle Interface Builder. Alors comme moi-même, je ne suis pas développeur, mais si j'ai bien compris, ça permettait facilement de créer donc des fenêtres, des boutons, de les lier les uns aux autres, sans avoir à développer du code comme les développeurs devaient le faire auparavant. Donc il a simplifié les systèmes basés sur les interfaces graphiques. Oui, c'est un maillon fort de l'interface graphique. Peut-être un petit mot à rajouter, Monsieur X, ça vous va comme définition? Non, c'est très bien. Bien. Et donc, cette personnalité qui était donc déjà là dans le sérail de Steve Jobs, apparemment était un militant auprès de Steve Jobs, puisque c'était un proche, je crois, Emmanuel, de Steve Jobs, pour aller vers le marché de la téléphonie. Mais d'abord, c'était un proche, c'est bien ça, Emmanuel? C'était un proche. Il a décidé de quitter Next dans les années 90, parce que Next prenait une orientation qui ne lui allait pas du tout. En gros, il voulait faire des machines pour les professionnels, pour les systèmes bancaires en grande partie. Lui, c'était l'Unix, hein, c'était quelque chose d'assez lourd, c'était pas du tout le Mac ou le Macintosh. Mais à l'origine, c'était pas destiné à ça. Mm-hmm. Lui, il voulait faire que des choses grand public, donc il a lâché un peu prise avec Next, d'autant que Steve Jobs prenait un peu de distance parce que ça lui plaisait pas non plus, et que lui avait Pixar par ailleurs qui commençait à décoller en 95. Pixar, qui est la société de cinéma, enfin de dessin animé en
3D qui aujourd'hui produit tous ces blockbusters comme Toy Story et Monsieur Incredible, des choses comme ça. Cédric, tu en avais entendu parler cette histoire de Monsieur Hulot qui était un membre historique d'Apple, un Français. Non, moi j'ai des souvenirs de Next, parce que Next ça existait même en France au tout début des années 90. Je me souviens, ils avaient des bureaux à la Défense. J'ai retrouvé là-bas pour voir une démo et honnêtement, on était resté ahuri parce que faut se souvenir quand même, mais là chez les moins de 20 ans, on n'y arriveront pas. Par exemple, à l'époque, on imprimait des images bitmap, imprimait du vectoriel, du PostScript. C'était hyper compliqué. Next, ils faisaient des imprimantes aussi. Je crois qu'ils faisaient ça avec HP, forcément. Les stations de travail étaient magnifiques, même si c'était en noir et blanc. Non, c'était des machines incroyables. Mais je me souviens plus comment ça coûtait. C'est ce que je suis en train d'essayer de m'en souvenir. Il y avait un disque optique. Hein, c'était vachement novateur. Je me souviens. Ah non, mais c'était un truc. Ouais. Mais je crois que c'était rien de moins que 40 000 francs à l'époque la machine. Et je me souviens du commercial qui disait, si vous m'en faites vendre 4, je vous offre la cinquième. Ce qui laisse imaginer des niveaux de marge qu'on retrouve aujourd'hui chez Apple. C'était des machines très en avance sur leur temps. C'était vraiment des stations, on va dire des stations graphiques, enfin des stations de travail très avancées. Et puis sous Unix, qui là aussi était un gage de stabilité. Et ce qui est étonnant de la part d'une société créée par Steve Jobs, ça a été un échec, donc Emmanuel. Et donc Jean-Marie Hulot a quitté Next, c'est bien ça? C'était un échec, oui et non. Économiquement, oui. En tout cas, ils ont arrêté de fabriquer des ordinateurs, hein. Ils se sont concentrés sur le système d'exploitation. Mais au niveau, pour les entreprises. Estime, il y a eu un vrai succès d'Estime au niveau des développeurs et puis de la communauté en général informatique. Et en plus, on retrouve aujourd'hui tout Next dans Mac OS X. Voilà, c'est-à-dire qu'après, pour aller vite, parce que sinon on va faire l'émission sur Next. Donc, ça vaudrait le coup. Oui, peut-être on aura l'occasion, mais oui, c'est vrai. Pourquoi pas, mais là, avec Jean-Marie Hulot, un jour, pourquoi pas. Si Jean-Marie veut bien nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir, ce serait un grand honneur pour nous. Il a quitté Next. Entre-temps, Steve Jobs a vendu Next à Apple. Il est redevenu un conseiller spécial du président. À l'époque, c'était qui, Monsieur X? Gilles Amelio, c'est ça, hein? Je vais ouvrir un musée d'Apple, c'est une horreur. On n'est pas couché. On n'est pas couché. Et c'est comme ça, pour la petite histoire, que Steve Jobs est revenu dans la société qu'il avait créée quelques années auparavant et qu'il a repris le pouvoir et que la saga a commencé jusqu'à aujourd'hui. Comment il est revenu? Pourquoi? Quelle était sa mission? Est-ce que déjà, lorsqu'il est revenu chez Apple, Emmanuel, Jean-Marie Hulot avait une idée de lancer un téléphone? Bah, en fait, il avait gardé contact avec Steve Jobs. Et de temps en temps, ils se voyaient à Paris ou à San Francisco. Et Jobs était de passage à Paris en 2001. Et donc, ils discutent. Et là, il lui dit, tu devrais te lancer dans la téléphonie mobile, parce que c'est ça l'avenir. Et Jobs lui dit, non, on prépare quelque chose qu'on appelle l'iPod et qui va sortir à la fin de l'année. Donc, nous, on est sur les baladeurs. Et on verra par la suite, mais viens chez nous pour en parler. Le téléphone, ça ne marchera jamais. Tiens, c'est énorme. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Non, mais je te jure. Il a dit, je pense que, pour en avoir discuté avec d'autres développeurs qui travaillaient avec Hulot à ce moment-là, en gros, Apple veut se concentrer à chaque fois sur une chose. Et là, c'était l'iPod. C'était pas le moment du téléphone. Je me tourne vers Monsieur X, qui était, j'imagine, je ne sais pas, certainement chez Apple à ce moment-là. Est-ce que tu peux confirmer? C'est bien parce qu'on on peut croiser les informations comme ça et faire un travail de journaliste quasi en direct. Monsieur, est-ce que tu te souviens de ça, effectivement, le moment du lancement de l'iPod, et qu'il y avait déjà des rumeurs à l'époque de lancement de téléphone ou pas du tout? Non, en tous les cas, pas que je sache ou j'en étais pas informé. Hein. Donc, non, ça n'a pas commencé à flotter dans l'air, en tous les cas en interne, pour les gens normaux comme moi. Guerre avant 2003-2004. Pourtant, voilà. Et la polémique, elle était plutôt, en tous les cas, moi, c'est le souvenir que j'en ai, concentré autour du patron du développement qui était John Rubinstein à l'époque et qui patron de Palm aujourd'hui. Sa carrière maintenant chez Palm. Et on savait, ou en tous les cas, on avait ouï dire qu'il n'avait pas les mêmes opinions. Que son patron sur ce qu'il fallait faire sur la téléphonie. Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, pour bien comprendre, Monsieur X, John Rubinstein, lui, voulait lancer un téléphone, c'est ça, plutôt que l'iPod? Non, je crois qu'ils avaient tous ça en tête, c'était la manière de le faire où ils n'étaient pas d'accord. On a entendu des choses vraies ou fausses, je ne saurais pas le dire très sincèrement.
mais comme quoi peut-être Rubinstein était plus attiré par faire un iPhone nano, c'est-à-dire, puisqu'on avait vendu des iPods aux jeunes et que c'était leur première expérience d'un produit Apple, il aurait suffi de mettre au dos d'un iPod nano un clavier, un port pour une carte SIM, et puis comme ça d'attirer les jeunes. Et Alors, pas du tout un smartphone. Voilà, donc d'accord. c'était la polémique qui traînait à l'époque, vrai ou faux. Mais avant cette époque-là, 2003-2004, pas grand-chose. D'accord, il n'y avait pas de vente de téléphone. Donc, si je comprends bien, Emmanuel, il y avait d'un côté un courant au sein d'Apple de gens qui voulaient juste faire un téléphone qui n'aurait rien de révolutionnaire, mais juste le design. Et puis, apparemment, des gens comme Hulot qui voulaient un peu réinventer la téléphonie. Comment il a réussi donc à convaincre un Steve Jobs? Comment ça s'est fait, si vous en avez parlé? Oui, enfin, je ne sais pas s'il a réussi à convaincre. En fait, il a travaillé sur des systèmes de synchronisation entre Mac et mobile, ou C'est-à-dire qu'il téléphone mobile et d'autres plateformes, est revenu chez Apple et il pour travailler travaillait. là-dessus, D'accord. et notamment iCal ou iSync. Donc Mais en l'outil de parallèle, ils ont fait synchronisation d'autres. et le système de gestion du temps de rendez-vous de C'est macOS. ça. Mais en parallèle, ils ont fait d'autres choses dont ils ne pouvaient pas trop parler à l'époque, mais ils ont commencé à faire du développement sous Symbian. Ils ont essayé de commencer à porter donc des applications Mac sous Symbian. Donc Symbian, c'est la plateforme poussée en grande partie par Nokia, donc qui équipe la plupart des Nokia, et qui était en matière de téléphonie le système d'exploitation le plus avancé. Et plus tard, donc en 2003-2004, quand ils ont commencé à regarder la téléphonie mobile d'un peu plus près, là, il y a eu deux batailles. Il y a eu la division baladeur iPod qui voulait en fait se servir de l'iPod comme OS de base sur un téléphone. Et D'accord. puis, il y a eu l'équipe de macOS 10 qui a dit c'est macOS 10 qui doit être porté sur téléphone mobile. Alors, avant d'entrer dans le détail, petit rappel historique, Jean-Marie Hulot est embauché par Apple pour faire donc iSync et iCal, mais il ne travaille pas à Cupertino. Il est en Non, France. à Paris. Donc Il déteste. Enfin, il déteste. C'est pas un grand fan des États-Unis. il y avait une cellule secrète en France de développement. J'étais déjà journaliste à l'époque, donc j'en avais entendu parler. J'imagine que Monsieur X aussi vous a entendu parler de cette cellule secrète. Elle était véritablement secrète au sein d'Apple, Monsieur X? Secrète, pas pour tout le monde, hein, en Merci. tous les cas. Non, en fait, comme dans beaucoup de cas chez Apple, secret égale confinement. C'est surtout que l'équipe que dirigeait Jean-Marie Hulot n'avait pas le droit de parler au reste d'Apple et ne pouvait parler qu'aux gens avec lesquels ils travaillaient opérationnellement, c'est-à-dire les équipes de développement aux États-Unis. Ils étaient payés par Apple France, mais c'était administratif ou anecdotique. Moi, la seule fois où j'ai pu les voir en vrai, ou l'entendre parler en vrai, c'était pendant, par exemple, des week-ends au ski, par exemple, que le CE d'Apple France avait pu organiser, mais sans savoir véritablement qui c'était. Donc on était confinés, voilà. À partir de ce moment-là, oui, l'adresse de l'équipe de développement, vous la trouviez pas sur les pages jaunes, ni dans l'annuaire, Mais ni dans il y avait une l'annuaire petite des rumeur, télécoms. pour en avoir discuté avec des gens d'Apple à l'époque, et c'était pas vous en l'occurrence. Ils sont plus au sein d'Apple, donc messieurs les avocats, calmez-vous. Puis il y a prescription maintenant. Il y avait quand même des rumeurs, et puis Oui, de enfin, choses c'était qui se plus que l'évidence. préparaient vers les grands boulevards parisiens, c'est ça, hein, Manuel, hein, parce Enfin, que j'ai on a lu. su qu'il y avait une équipe de développement et qui bossait sur iSync, mais notre niveau de connaissance s'arrêtait à peu près là. Cédric, ça vous étonne qu'un Steve Jobs embauche comme ça un Français, c'est pas péjoratif, un Français, mais c'est plutôt rare de voir un Français comme ça en pointe pour développer quelque Non, chose d'aussi exotique qu'un outil de synchronisation sur Ouais, mais Mac, non, quoi. justement, c'est pas si exotique que ça. Enfin, pas la téléphonie, mais ce mode de développement-là. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est amusant que ça me rappelle ça, chez Sun, quand ils ont développé Java. C'est un ingénieur qui est allé voir le patron, qui l'a croisé dans les vestiaires après un match de hockey, et qui lui a dit, j'ai une idée, si, mais c'est un peu bizarre, si on arrivait, imagine, à faire une espèce de plateforme, de trucs qu'on pourrait faire tourner sur plein de genres de machines. L'autre lui a dit, je comprends pas bien ce que tu dis, mais ça a l'air intéressant. Tiens, voilà 1 million de dollars, embauche une équipe, prends des locaux, mais pas des locaux chez Sun, et puis bosse, et puis après on verra ce qu'on ressort. Quand on a un projet comme ça, qui est pas dans le core business de l'entreprise, c'est finalement assez intelligent de pas, comment dire, entre guillemets, polluer les gens avec une culture corporate qui n'est pas forcément la leur. C'est intéressant de prendre des gens un peu indépendants et puis de leur dire allez bosser, et puis voilà, on verra bien ce qu'on ressort. Et puis quand on C'est connaît pas le un culte. pari très cher. Et puis Cédric, quand on connaît le culte de secret d'Apple, ça permet de préserver un peu plus la confidentialité du projet. Oui, Mais il n'y mais avait pas que cet là quand aspect-là. on est.
Il y avait quand pas on est sur des histoires de synchronisation de logiciels, etc., on n'est peut-être pas encore sur le développement d'un téléphone. Ça, c'est venu après. Donc, je pense que le secret, il venait de l'intérêt relatif de ce que faisait l'équipe. Mais c'est amusant ce que disait Monsieur X, parce que j'imagine les voyages du CE d'Apple. Et alors, toi, tu fais quoi? Je suis sur un truc. Et toi? L'année prochaine. Voilà, tu verras. Sympa. Vachement sympa. Bah, écoutez, l'arbre de Noël chez Apple, ça doit être top. Mais je vous ai jamais vu, vous travaillez chez Apple? Oui, depuis 20 ans. Ah, très bien. Si quelqu'un de l'Apple France peut nous envoyer une vieille cassette DV, on prend, hein, mais il y a prescription aujourd'hui. Ou un organigramme détaillé, je ne sais pas. Et puis bon, apparemment, tu disais, je t'ai coupé, pardon, Emmanuel, tout à l'heure, il aimait pas trop la Silicon Valley, Jean-Marie Hulot, il préférait travailler en France, c'est bien ça? Ouais, c'est pas un grand fan. En plus, il est marié, il a deux enfants. Et il voulait pas repartir là-bas. D'accord, donc il a réussi à convaincre Steve Jobs, parce que c'était pas forcément gagné, de pouvoir créer sa cellule de développement à Paris, c'est bien ça? En fait, il m'a dit qu'il l'a pas convaincu. Hein. Il lui a dit, moi je pense que tu dois développer ça. Lui, il a dit, j'y crois pas, mais enfin, pas pour l'instant. Tu parles de l'iPhone, vas-y, là. Oui, vas-y, d'accord. Travaille dessus. Enfin, donc il lui a dit, vas-y, travaille sur un projet de téléphone. Donc c'était pas que iSync et iCal, on est d'accord. Il y avait d'autres choses, mais ils restent. Il y avait des choses officielles, dirons-nous. Ils restent assez. Ils avaient deux choses, c'est ce qu'ils disaient, c'est à court terme, iCal, iSync à développer, et à côté, préparer Apple peut-être à l'éventualité d'aller sur la téléphonie mobile un jour. Bref, Monsieur X, est-ce que vous aviez entendu également de rumeurs un peu plus tard, effectivement, de choses venant de côté des smartphones, sachant qu'il y avait des rumeurs récurrentes de PDA, de tablettes, de mini-tablettes, hein. PDA, le terme a presque disparu aujourd'hui, déjà à l'époque, hein. Monsieur X. Enfin, allez, on sort les vieux dossiers, Monsieur X. Ouais. Quand on travaille chez Apple, on baigne dans les rumeurs, donc, ouais. Et comme toutes les rumeurs, au bout d'un moment, on perd la tête, on ne sait plus ce qui est vrai, faux, ce qui a été... généré par Apple lui-même ou qui vient de l'extérieur. Bon, il y a un phénomène très clair qui s'est passé peut-être à partir de 2004-2005 quand l'iPod Nano a été lancé. Les fabricants de téléphones sont sortis un peu de leur léthargie Sony en tête et ont tout simplement fait une chose attendue. Ils ont intégré la fonction baladeur MP3 dans leur téléphone. Faisant ça, et le faisant relativement bien, hein, la question s'est rapidement posée de savoir si les utilisateurs, à terme, continueraient à avoir deux produits dans leur poche, un téléphone et un iPod. Donc surtout la question qui était ouverte et qui faisait l'objet de toutes les discussions chez Apple, c'était quel est l'avenir de l'iPod à partir du moment où on est sûr que les gens vont garder le téléphone dans leur poche et qu'il va y avoir une fonction MP3 assez rapidement dans tous les téléphones. À partir de là, toutes les hypothèses étaient permises et il était évident qu'il était en train de se passer quelque chose. Surtout, Monsieur X, qu'à un moment donné, je me souviens, c'est en 2004-2005 de mémoire, Apple a fait une première tentative de téléphone dans la téléphonie mobile avec Motorola, je crois bien, et le Rocker, c'est ça? Je vois sourire. C'était pas tout à fait ça. Hein. Là, ouais. C'était plutôt l'objectif était de entre guillemets. Ils ont testé le marché quand même un petit peu, quoi. Ils avaient déjà l'iPod. Je suis pas sûr. C'était toujours dans la mouvance désenclaver les produits Apple de cette image qu'ils avaient, qui sont les produits Apple ne sont pas compatibles. Et cette image traîne toujours. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui m'a dit, tiens, j'ai une carte SD avec des photos dessus que je voulais te donner, mais est-ce que ça va marcher sur ton Mac? Donc, tu vois, cette vieille idée de la compatibilité traîne toujours. D'accord. Et à l'époque, c'était à travers iTunes et iPod qui était le cheval de bataille ou le cheval de Troie, ça dépend de son point de vue, continuer à se désenclaver et le faire porter au-delà de l'iPod par des téléphones qui commençaient à embarquer les fonctions MP3. Est-ce que c'était un test industriel en plus d'essayer de travailler avec Motorola ou un test de réseau? Franchement, je ne sais pas, mais je pense que c'était une autre piste qui était plus liée à iTunes, à iPod que vraiment au projet iPhone. Cédric Emmanuel, tu veux prendre la parole? Non, mais c'est un projet. Le Rocker de Motorola, quand on l'a vu arriver, on n'a pas cru, quoi. On a dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Souvenez-vous, je crois qu'on pouvait mettre 100 chansons, pas plus. C'était une catastrophe. Alors évidemment, on le synchronisait avec son iTunes. Et vraiment, ça symbolisait tout ce qu'on peut faire de pire en termes de partenariat industriel. C'est-à-dire que la déception des utilisateurs d'iPod qui ont récupéré un Rocker, elle a été terrible, évidemment. Du coup, ce truc s'est pas vendu. Il s'était allié avec Motorola, qui était le constructeur descendant de l'époque. Depuis, ça s'est
rangé, on les enterrait maintenant grâce à Android, ça y est. Ça revient doucement. Ouais. Voilà. Ça revient. Ça revient bien même, vous rigolez. Ils ont avec quasiment vendu 1 million de droïdes. Là, ah oui, déjà Droid, hein, ouais. Tant pour moi. Ils en avaient vendu 600 000 il y a 3 semaines. Non, c'était catastrophique. Mais alors, c'est amusant parce que c'est un truc qui ne plaide pas pour qu'Apple se relance dans des partenariats industriels, en tout cas qu'ils mettent sa marque sur quelque chose d'un autre constructeur dans les semaines, les mois et les années à venir. Alors, Emmanuel, pour revenir à Jean-Marie Hulot, de quoi concrètement, sur quel. Est-ce que tu as des pistes sur les éléments concrets sur lesquels il a travaillé ? Ce qu'on retrouve de lui aujourd'hui, c'est tout MobileMe. Le système qu'Apple a poussé sur la synchronisation aujourd'hui. Synchronisation mobile fixe et qui va au-delà simplement des données d'un calendrier, etc. Ça peut être la photo, etc. etc. C'est ça. Alors, c'est pas spectaculaire, ouais. Mais le jour où vraiment Apple a voulu se lancer, là, tout était remis à Cupertino, ouais. Et lui n'a pas voulu y aller. Donc, en fait, les gros développements, il n'y a pas assisté. C'est-à-dire que lui, il a quitté fin 2005, début 2006. Ouais. C'est paradoxal. C'est au moment où le projet pour lequel il militait le plus prenait forme et se matérialisait et allait devenir ce qui est devenu le succès de l'iPhone aujourd'hui. Il a quitté Apple, c'est bien ça, Emmanuel? Oui, il ne voulait pas aller à Cupertino, mais l'a invité. On lui a demandé de venir avec son équipe. Là, il ne pouvait plus continuer à développer parce que le projet devenait trop important. Il ne pouvait pas prendre le risque, peut-être Apple, de continuer à délocaliser ça avec une cellule de développement. Ça montre que quand même peut-être le travail d'un Jean-Marie Hulot ne se limitait pas juste à mobile, mais si je peux me permettre. Comment tu peux expliquer justement que les gens... une telle discrétion par rapport à un succès aussi important que l'iPhone, il est passé à tout autre chose. Oui, peut-être. Il est passé à tout autre chose, hein, je crois, Emmanuel. Oui, non, mais il m'a expliqué deux, trois choses. Il m'a dit que son nom avait été cité dans un reportage dans Capital. Et lui, il était au Bhoutan à ce moment-là, parce qu'il adore l'Asie. Donc, il y va souvent faire du trek et de la photo. Et quand il est rentré, il avait 200 mails d'Apple en lui demandant « Mais c'est quoi ce reportage ?» M6. Et lui, oui, il l'a 200, découvert. 200 mails, 200 mails d'Apple, mais de la même personne. Ça, il m'a pas dit. C'est du vécu, monsieur X. Mais ça, du coup, il a vraiment peur des médias et de la présentation qu'on peut faire de lui, comme étant le père de l'iPhone, etc. Moi, plusieurs fois, il m'a bien dit « S'il vous plaît, n'écrivez pas ça, parce qu'on va me tomber dessus. » Et parce que c'est faux. On peut dire qu'il fait partie des gens qui ont instillé ce projet au sein d'Apple, hein, l'un des plus grands fans, et j'arrive pas à trouver le terme, Cédric, aide-moi. L'un des plus fans. L'un des plus motivés pour se lancer dans la téléphonie, en tout cas ça c'est sûr. Il y a travaillé. Précurseur. Voilà, précurseur dans ce domaine, visionnaire. On dit souvent, voilà, j'ai retrouvé. Merci Cédric. On dit souvent que Steve Jobs a des visions de produits. Il a pris beaucoup de LSD quand il était jeune, mais quand même, il a des visions produits très fortes, et on va le voir avec, j'espère, la tablette très bientôt. Vous voyez, tiens, il a une tablette, ça y est. Ah, j'ai une vision de produit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi aussi, j'ai une tablette, regardez, hop là, elle est passée. Non, la mienne, elle est mieux, regardez, c'est la vraie, regardez. Non, mais non, je ne peux pas vous la montrer. La mienne aussi, c'est la vraie, mais c'est drôle, on verra ça plus tard. Attends, je la boot. Non, servant de bêta-testeur, comme lancer des rumeurs à 3 francs 6 sous. Donc on a souvent, et c'est vrai, parce que c'est pour créer des légendes, hein, il y a beaucoup de rumeurs autour d'Apple, Emmanuel, l'image d'un Steve Jobs qui a eu cette vision d'un iPhone multi-touch, etc., etc., qui allait tout révolutionner, c'est pas aussi simple que ça. On a l'impression que Steve Jobs d'abord s'est donné du temps et s'est laissé convaincre, et puis par contre quand il était convaincu, il a mis le paquet, oui. Non Emmanuel? Oui, je pense que c'est ça, ouais. Bien, donc aujourd'hui il fait quoi ce Jean-Marie Hulot avant de bientôt terminer, messieurs? Bah, il aurait dû diriger le labo de Google à Paris, puisque Google voulait l'embaucher. Google qui fait Android aujourd'hui. Voilà. Non, mais en revanche, il avait interdiction de travailler sur tout ce qui touchait au mobile. Il avait signé un contrat avec Apple lui interdisant. Jobs avait. Il a donc touché un très très gros chèque. Je pense. Ou des stock options, tu sais qu'il en a, encore. Hein, donc. Ah. Et donc, il devait être embauché. Donc, il a Jobs a dit travailler. OK. Et quand il a voulu venir avec son équipe d'ingénieurs, enfin une partie de son équipe d'ingénieurs, Jobs a mis son veto. Et le projet s'est pas fait. Et du coup, Google n'a toujours pas ouvert de laboratoire à Paris. D'accord, c'est vrai. Et il est parti sur autre chose. Il a ouvert un site, je crois, c'est ça ? De photos. Un site de photos. C'est ses ingénieurs qui lui ont convaincu de se relancer. Et autour de la photo, parce que c'est un grand fan, quand il fait des treks avec sa femme qui est une spécialiste de la flore,
Ils prennent des photos un peu partout dans le monde, notamment en Asie. Et donc, ils ont fait une espèce de Wikipédia de la photo, Et comme ils ça le présentent. s'appelle Photopédia. Photopédia, très bien. Mais donc, si je comprends bien, toute son équipe là est partie avec lui. Pas toutes. Ils étaient, à la fin, ils étaient entre 20 et 30. Et il y en a 4 ou 5 qui l'ont suivi. D'accord. Donc, il n'était pas le seul, donc c'est quand même une équipe assez importante. Voilà. Encore une Mais je te fois, signale que dans l'équipe signale-moi. qui est restée, visiblement, il y a 3 Français qui sont à l'origine d'un brevet d'interface 3D que certains ont pensé intégrer dans l'Ice Lite. Oh, tiens, on Ce qu'on repart m'a démenti. interface. On Ce que repart les développeurs m'ont interface. démenti. Ouais. Mais oui, mais ils peuvent pas en parler. C'est ça qui est. Bon, on le saura dans quelques années où Ouais. l'eau aura coulé sous les ponts. Mais encore une fois, bon, voilà, le côté interface revient souvent dans les rumeurs, mais c'est très difficile d'en savoir plus. Pour conclure et pour revenir sur le, comme ça, ces Français qui ont marqué l'histoire de nouvelles technologies, n'ont pas peur des mots. Et je pense que Jean-Marie Hulot aura marqué à sa manière certainement beaucoup de choses dans la téléphonie en particulier avec l'iPhone. C'était presque une tradition chez Apple d'avoir des Français comme ça à des postes clés. Monsieur X, Cédric, ça vous rappelle des choses, hein, des grands Français, ou pas forcément par la taille d'ailleurs, au sein d'Apple. Bah, évidemment, on penche à Jean-Louis Gasset. Et puis Évidemment. Monsieur Sarlet. Jean-Louis Gasset, donc, Oui, très juste. qui était le Qui était à la vice, tête. qui est monté jusqu'à la vice-présidence d'Apple, hein, dans les années 80, Absolument. 90. Et Aux qui côtés vit de maintenant, Steve Jobs. général d'Apple France d'abord. C'est ça, qui vit entre Paris et San Francisco maintenant, plutôt du côté de San Francisco. Et dont on retrouve d'ailleurs, c'est très intéressant, il y a un site qui s'appelle Monday Note. Avec des éditoriaux vachement intéressants de lui et de Frédéric Filiou sur l'économie numérique, vraiment remarquable. Et il vient de fonder hein, d'ailleurs un fonds de capital risque pour aider des startups françaises à se développer dans la Silicon Valley. 250 millions de dollars à distribuer, c'est plutôt pas mal à mon avis. Comme dirait NKM, l'argent ça rend les hommes sexy. Aujourd'hui, donc, Les femmes aussi. J'en veux. Oui, certainement, j'imagine. Mais on va essayer d'économiser un petit peu, Cédric. On va voir ce que ça va donner. Il y a du boulot, hein, en ce qui me concerne. Donc, Monsieur X, l'autre grand français qui reste aujourd'hui comme un homme vraiment important au sein d'Apple, c'est Bertrand Serlet, c'est ça, Monsieur X. Bertrand Serlet, qui est un ancien de chez Next et qui supervise les développements de macOS 10, en tous les cas une bonne partie. C'est donc un poste de choix pour un homme de poids chez Apple, n'en doutez pas. Emmanuel, Bertrand Serlet, qui je crois connaît bien Jean-Marie Hulot. Oui, puisque c'est Jean-Marie Hulot qui l'a fait rentrer chez Next, et lui était à l'époque chez Xerox. D'accord, Xerox Park, Cédric, que tu connais également. Nous étions pas nés à l'époque. Sans lequel nous ne serions rien, car les histoires disent que de toute façon tous les gens qui sont allés voir Xerox PARC, c'est eux qui ont inventé le clavier, enfin pas le clavier, Le excusez-moi, WYSIWYG. la souris, le WYSIWYG, la La souris, souris. les interfaces graphiques, c'est un des grands échecs industriels là encore Ouais. du siècle peut-être, parce qu'ils n'en ont absolument rien fait et ça a été repris par des petits malins comme Apple, comme Microsoft après, etc., etc. Bien. Ce Qui ont tous eu le une droit à la technique. démo au Xerox Park et qui sont tous sortis de là en disant c'est génial, on va le faire parce que de toute façon, eux ils font des photocopieuses, ils s'en feront jamais rien. Ce qui est amusant et pour Ce qui... conclure, oui, monsieur Exhibit. Non, non, ce qui est une technique que c'est absolument utilisé Apple à bon escient, à savoir aller chercher la technologie là où elle est, quitte à la Bien sûr. piller, voilà où elle Oui, et puis l'acheter. surtout la sortir au bon moment, si je peux me permettre. Et puis ce Oui, qui est alors après amusant ils en font de quelque voir dans chose, ça c'est l'évolution de clair. ces personnes au sein d'Apple, c'est qu'elles viennent souvent de chez Next qui n'a pas été forcément un grand succès, qui aujourd'hui, voilà, il semblerait que Steve Jobs ait beaucoup appris de ses échecs. On va voir ce que ça va donner par la suite. Messieurs, on va passer au coup de cœur, si vous êtes d'accord, juste après ce jingle. On refait le match. Donc les coups de cœur de la semaine, Monsieur X, on va commencer par vous pour une fois. Alors mon coup de cœur de la semaine, Olivier, pour nous faire sortir un petit peu de ces ambiances confinées et de rumeurs autour du Mac, c'est un journal, et très précisément l'édition américaine de National Geographic, auquel je suis abonné, qui fait un spécial état de l'art sur les dernières avancées en termes de bionique, et qui montre quelque chose, moi, qui m'a... non seulement interloqué mais stupéfait mais qui m'a ému, qui est le premier bras Stupéfait, qui a été le premier bras bionique qui a été greffé
sur une femme qui avait été amputée auparavant du bras gauche. Donc elle a un bras Super comme Jimmy Steve Austin. Existe. Elle Super a un Jimmy. Bras comme... Ouais, absolument. Elle a un bras comme Super Charmante. Jimmy ou Steve Austin. Et ça marche. Je vous conseille, si vous êtes intéressé par la robotique, de vous précipiter là-dessus. C'est un domaine, certainement en termes de science et de produits, qui est un des plus vastes des Eldorado dans les années à venir. Voilà, donc j'ai adoré. Cédric, c'est amusant parce que moi aussi c'est un truc purement scientifique où là on se met à conjuguer le futur au présent. Regardez, c'est ça. Ça, c'est la boîte que vous recevrez une fois que vous serez allé faire un tour sur 23andMe, 23andMe, comme moi, .com. Une boîte cofondée par deux femmes. L'une est partie, l'autre est la copine de... Comment s'appelle-t-il l'un des deux fondateurs de Google qui n'est pas Sergey... Larry Page, voilà. L'idée de 23andMe, c'est de vous ouvrir votre génome personnel. En clair, on va faire, c'est comme dans les sites de geeks, on va faire l'unboxing. Alors voilà, on ouvre la boîte. Il n'y a pas grand chose dedans, hein, je vous rassure, ça va être vite fait. On tire le petit collant. Là, voilà. Il y a un seau, hein, c'est assez compliqué. Voilà. Et dedans, il y a crache ça. Crache dedans. Ça, c'est exactement. C'est le tube dans lequel je vais devoir cracher. Enfin, pas moi, parce que celui-là, c'est celui de ma copine. Et dans 3 semaines, j'aurai accès en ligne à plein de choses qui me diront plein de choses sur moi, sur. Jusque-là, en génétique, on faisait que des reconnaissances de paternité, des trucs pas très intéressants. Et, sauf c'est pour ça qu'on fait ça. Non. Vous qui êtes si souvent en voyage. Je sais qui est mon père, car c'est ma maman qui me l'a dit. ça permet d'avoir, un, des infos sur ses ancêtres, et puis deux, évidemment, toutes les prédispositions de santé. Le site est remarquable, c'est-à-dire que votre dossier est uniquement en ligne. Alors, on pourrait se dire, ah, au secours, ouais, mais sinon qu'on peut prendre un kit et s'appeler Dark Vador, hein, c'est pas vraiment gênant. Donc il n'y a pas vraiment de problème de confidentialité, et ça vous apprend des trucs incroyables sur vous. Un de mes jeunes collaborateurs vient de faire le test et il a appris comme ça qu'il était prédisposé à être intolérant au lactose, qu'il était moins prédisposé que la moyenne de la population à développer certains types de cancers, etc. C'est absolument passionnant parce qu'en plus ça fait avancer la recherche. C'est-à-dire qu'à partir de vos génomes, on va aussi vous poser des questions en disant, je sais pas, est-ce que vous éternuez quand vous arrivez au soleil, est-ce que vous êtes allergique à tel type de choses, pour arriver à pointer de nouveaux gènes qui indiquerait de nouvelles maladies. Et ça, je vous dis, pour quelques centaines de dollars, faire avancer la recherche et puis surtout faire avancer sa connaissance de soi-même, c'est quand même absolument génial. Voilà, donc, la boîte s'appelle 23andMe. La rumeur veut qu'ils aient quelques petits problèmes financiers en ce moment, ce qui paraît curieux pour des gens financés par un des cofondateurs de Google. Mais ils ont vu tous les gens que je connaissais chez eux, parce que je suis parti en reportage chez eux en juin dernier, la moitié des gens que je connaissais ont été virés. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis mais pas que rassuré, ça ne vous empêche hein. pas d'aller faire votre petite analyse génétique. Pourquoi pas rassurer? C'est absolument passionnant. Allez voir sur le site, il y a des profils génétiques type, hein, vous allez apprendre des trucs, c'est dément. Ça pourrait faire un bon scénario de film, hein, quand on reçoit le résultat de son génome et qu'on se trouve prédisposé pardon, ouais, mais non, je sais parce pas, à devenir un criminel, qu'est-ce qu'on fait de l'information? Non, on n'en est pas ah, là, non, c'est non, plus non, des données non, médicales. On n'a pas ça, on n'en est pas non, là. Eux disent en plus, attendez, il y a des gens qui flippent en disant, mais vous voulez dire, vous allez me dire comment je vais mourir. Mais non, attendez, eux ils disent, on n'est pas là pour faire des condamnations à mort, on va vous dire, vous avez 17% de chances de plus que le reste de la population de développer un cancer D'accord. du foie, ou enfin ce genre de choses. Bon, c'est pas inintéressant, mais il n'y a pas de sentence de mort, bon, je vous rassure. On va pas refaire la génétique, on refait le max, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est intéressant, et pour corriger le tir aujourd'hui, pour les générations futures demain, pour parler... Comme le commandant Cousteau. Emmanuel, est-ce que tu as pu Exactement. Réfléchir à un coup de cœur? Alors, c'est pas un coup de cœur parce que je ne l'ai pas essayé. Mais il y a une petite société française qui fait un pèse-personne Wi-Fi. Donc, il ne s'agit pas d'un lapin, mais un petit pèse-personne qui se connecte directement à Internet et qui fait votre suivi de poids et qui peut après vous donner des programmes. Donc, la société s'appelle WeThings. Et ils veulent développer pas mal d'objets communicants, et on est au-delà du lapin Nabastag que tout le monde connaît. Là, c'est pèse-personne et des choses un peu plus de l'univers on quotidien. On arrive à utiliser la technologie de nos ordinateurs à des usages qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Voilà. Et Dieu sait, et si c'est moi génial j'en ai besoin parce de me que... peser. Pardon. Oui, on en a tous besoin, moi plus que toi, mais et c'est génial parce que c'est la balance non. qui sait tweeter votre poids. Ah, ça pas sympa, ça vous dénonce. Et j'ai un... non mais alors j'ai pire que ça parce qu'il y a des anecdotes. On a un confrère que je ne nommerai pas qui avant s'occupait d'un site de jeux vidéo bien connu et qui a pris une balance comme c'est ça qu'il l'a mise chez lui et puis qui que je ne nomme personne et qui l'a mis chez lui
et puis qui a configuré le compte Twitter comme ça pour rire sans même l'utiliser vraiment. Et le lendemain ou le surlendemain, il a vu ding dong 67,5 kg s'afficher alors qu'il s'était pas pesé et que ce n'est pas son poids. Et il a fini par comprendre que sa femme de ménage utilisait la balance une fois de temps en temps pour vérifier son poids à elle. Et il a donc annoncé maintenant vous pouvez suivre le poids de ma femme de ménage sur Twitter. Bah, je trouve ça abusant et poétique. Mais c'est génial et il va se passer plein de trucs sur les objets intelligents parce que notre ami Raphaël Algian qui avait inventé le Nabastag vient de lancer une nouvelle boîte. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça s'appelle Sense. Voilà, Raphaël qui avait fait le Refait le Mac il y a quelques années avec nous. Voilà. On va essayer de revoir s'il peut pas revenir nous voir. Moi mon coup de cœur c'est pas très original, c'est l'appli Facebook pour iPhone. La mise à jour, parce que la petite mise à jour, il y a un truc qui est génial pour les utilisateurs d'iPhone, c'est que la mise à jour de l'appli Facebook vous importe toutes les photos de vos contacts sur votre carnet d'adresse de l'iPhone. Et oh, c'est génial pour le geek que je suis, quand quelqu'un m'appelle, la photo... Comme sur un palme, quoi. Oui, si tu veux. Oui, mais il fallait y penser. Vous apporte automatiquement la petite photo de votre correspondant sans que vous ayez forcément pris en photo, donc c'est sympa. Et puis l'autre coup de cœur, c'est moins original, mais ils nous ont fait la courtoisie et la gentillesse de nous accueillir maintenant tous les mois. C'est le magazine iCreate qui dorénavant nous accueille tous les mois pour une chronique qui s'appelle On refait le Mac. Donc voilà, je voulais les saluer et les remercier pour leur confiance. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, vous savez, dans les prochains jours, pour ceux qui, parce que le montage, il n'est pas sûr qu'il se fasse aussi rapidement que prévu, il y a un événement important chez Apple, donc on va essayer de le suivre. On va voir comment on va s'organiser parce que c'est pas évident, on n'a pas trop d'informations sur ce qui va nous être mis à disposition pour pouvoir vous donner le plus d'informations possible, mais on sera présent d'une manière ou d'une autre. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour mercredi Absolument. Prochain 27 au soir ou le lendemain, on trouvera une solution pour obtenir une connexion qui tient la route. Messieurs, bonne soirée et merci pour votre confiance. Au revoir. Salut. Salut.